طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته excusez moi du contre temps j'ai eu un problème de micro طيب on s'était arrêté on continue avec l'explication du livre kitab at tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul al-Wahhab rahimahullah ta'ala on s'était arrêté sur le chapitre 22 intitulé une partie de cette communauté adorera les idoles. Après avoir traité des différentes pratiques polythéistes et avant cela de l'obligation du monothéisme, de ses mérites, etc., ici, le Cher souhaite attirer notre attention quant au fait qu'une partie de cette communauté va tomber dans l'adoration des idoles. Elle va tomber dans ce qui est contraire à la foi même au monothéisme et à la foi en l'unicité d'Allah, et cette, euh, cette action, c'est une chose qui, de, qui doit se passer nécessairement, c'est-à-dire qui aura lieu obligatoirement. Et c'est ce qu'on voit dès aujourd'hui, d'accord On voit qu'il y a des gens parmi cette communauté qui sont tombés dans différentes formes de polythéisme. Et ici, on, il attire notre attention quant au fait... Que ce n'est pas toute la communauté qui va tomber dans le polythéisme, mais seulement une partie de cette dernière. Car le prophète alayhi wa sallam, nous a dit qu'une partie de la communauté ne cessera d'être sur le chemin d'Allah, sur la guidée, et ce jusqu'à l'arrivée de l'heure. Ainsi donc, on comprend que cette communauté ne peut pas, dans son entièreté, accomplir une action qui est contraire à l'islam. Toutefois, il est possible qu'une partie de cette dernière tombe dans des formes de polythéisme et de mécréance. Qu'Allah nous en préserve. طيب. Ici dans le titre, il a parlé des idoles, ce qu'on appelle en arabe l'awthane. Et l'awthane, c'est différent de l'asnam. Ce sont deux termes, on a as-sanam et l'wathan. Le terme wathan, c'est ce, ce qui est traduit par idole. Alors que sanem, c'est ce qui est traduit par statue. La différence entre les deux réside dans le fait que la statue correspond à la chose qui a été re, ou qui représente un corps, une créature, d'accord Que ce soit un animal, un humain, euh, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle as sanem. Tandis que el-wesen, l'idole, il a un sens beaucoup plus, ce terme-là a un sens beaucoup plus général. Étant donné qu'il correspond à toute chose qui est adorée en dehors d'Allah Azzawajal. D'accord Que ceci soit sous forme euh, d'un arbre, une pierre, un lieu, tout, une tombe, etc. Tout cela va rentrer dans la terminologie ou dans la définition du terme Wathen, idole. طيب. Ensuite, il évoqua la parole d'Allah Azzawajal, الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت Ce qui veut dire: nas طيب. عز وجل s'adresse au صلى الله عليه وسلم Et l'interrogation ou la forme interrogative dans ce verset a pour but l'affirmation et l'étonnement. D'accord A pour but l'affirmation et l'étonnement. Ici Allah a évoqué à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a une partie des gens du livre à qui Allah Azzawajal avait octroyé la révélation mais qui malgré ça se sont mis à adorer les idoles ainsi que at tarout et ce verset, il s'agit en, en particulier des juifs, d'accord Ce verset s'adresse en premier lieu aux juifs. Et parmi les récits qui, euh, qui démontrent l'adoration qu'ils ont vouée à autre qu'Allah, il y a le fameux récit du veau d'or. Ce veau qui a été sculpté par les enfants d'Israël, par une partie des enfants d'Israël à l'époque de Moussa a.s., D'accord Et qui a été adoré par ces derniers. Et le récit a été euh, compté par Allah Azzawajal, dans le surat D'accord. D'accord Concernant le terme al qui a été traduit ici par les idoles, il faut savoir que les salafs, les pieux prédécesseurs, ont divergé quant à sa euh, définition. Ibn Abbas radiallahu anhumah, L'a défini, l'a expliqué en disant il signifie la représentation du diable en abyssinien. D'accord C'est-à-dire que c'est un terme, ce n'est pas un terme arabe, mais c'est un terme abyssinien. Qui, euh, qui, qui, euh, euh, qui veut dire le diable, la représentation du diable. Saïd ibn Jubayr, rahimahullahu ta'ala, a dit el signifie sorcier en abyssinien. D'accord Taïm. Quant au terme Tarout, on l'avait déjà vu, mais euh, il n'y a pas de mal à revoir. Le terme Tarout provient du mot Tara. Et Tara en arabe signifie l'outrepassement et le dépassement. D'accord C'est pour ça qu'Allah nous dit hein? Et lorsque l'eau dépassa sa limite, d'accord Dépassa les limites euh, qui, 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 qui lui étaient propres à l'époque. D'accord Ici, le terme Tara signifie dépasser. Ainsi donc, Tarot correspond au dépassement de la limite, d'accord, dont le serviteur fait preuve envers une personne, d'accord, qui est envers une personne qu'il adore, à qui il obéit, ou bien qu'il suit, d'accord. En fait, ce sont toutes Tarot, ça représente toutes les personnes qui sont soit adorées, soit suivies, ou soit obéies, et envers lesquelles leurs suiveurs ont dépassé la limite envers eux. D'accord Ils leur ont accordé des choses qui étaient spécifiques à Allah Azzawajal. Comme par exemple le fait d'obéir à un savant au point de désobéir à Allah Azzawajal. C'est-à-dire, par exemple, chez certains soufis, on a ce qu'on appelle les, euh, les chouyours, d'accord Et les maîtres spirituels, si on veut. Et ces derniers vont inculquer à leurs, euh, à leurs élèves des choses qui sont contraires à la religion, des choses qui contredisent ce qu'Allah a légiféré. Et de ce fait, ces derniers, en agissant de la sorte, ils vont être considérés comme des taroutes. Pareil pour les gouverneurs qui vont juger avec les autres lois que celles d'Allah, qui vont mettre en place euh, un, une gouvernance et des lois qui contredisent les lois d'Allah, ce qu'on appelle l'ahkam al d'accord Celles qu'ils ont, les lois qu'ils ont inventées et ils vont les prendre pour législation. Agir de la sorte, fais de toi un tarot, d'accord Fais de toi une personne qui a. En fait, tu es sorti de tes propres limites qu'Allah t'avait accordé car le législateur, le seul législateur est Allah, Azzawajal. le seul à pouvoir dire que ceci est halal et ceci est haram, c'est Allah, d'accord et de ce fait, une personne qui agirait de la sorte et qui légiférerait des choses en dehors d'Allah Azzawajal, celui-ci serait considéré comme ta route. D'accord? Euh, Taïb. Et pareil pour euh, le suivisme, d'accord Le fait de suivre une personne au point de lui obéir, dans ce cas, dans, lui, obéir lui obéir dans ce qu'Allah Azzawajal a interdit. et euh, et de délaisser ce qu'Allah a euh, ordonné et de lui obéir à lui, ça, ça fait de lui un tarout aussi. Si ce dernier le fait, bien sûr, en connaissance de cause, parce que par exemple, Isa alayhi salam, le noble prophète Jésus alayhi salam, a été adoré par les chrétiens, mais Isa alayhi salam ne les a pas appelés à cette adoration. D'accord Ce sont eux qui ont inventé cette adoration envers lui et qui ont qui ont fait de lui euh, le soi-disant fils de Dieu. D'accord mais Isa al salam est complètement innocent de cet acte-là. De ce fait, Isa al ne n'est pas considéré comme un tarot, bien au contraire. D'accord C'est pour ça qu'il y a en condition le fait de, de, en fait de, de, de rechercher et d'accepter l'adoration qui t'est vouée. C'est là que tu deviens un tarot. Le lien entre ce verset et le chapitre, il ne saute pas forcément directement aux yeux. Parce que je vous rappelle, le titre du chapitre, c'est Une partie de cette communauté adorera les idoles. Et ici, ce verset, il nous parle Allah nous parle des, des gens du livre. D'accord Et il ne nous parle pas de la communauté du prophète. Wa Mais on va comprendre. ça Cette question-là, laissez-la dans votre tête. On va la comprendre, reprendre la suite. Ensuite, il بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ إِذَا laquelle Allah dit, dit, ne vous Et qui ont voué un culte au Tarout. Ici, ce verset aussi, Allah Azza wa dedans, s'adresse aux gens du livre et en premier lieu aux juifs. D'accord Qui avait dit, et ce verset est venu en tant que réfutation à la parole de certains juifs qui avaient dit Nous ne connaissons pas une religion plus mauvaise que la religion que tu as apportée. il parlait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ce verset, Allah Azza wa leur a répondu Taïb. Ici, Ta'ala, dans ce verset, a parlé de la malédiction, ce qu'on appelle en arabe « al-la'in ». Et je vous avais déjà évoqué sa définition. « Al-la'in » signifie en arabe, à la base, l'éloignement. D'accord L'éloignement et l'exclusion et de la miséricorde d'Allah Quant à la colère, d'accord ?« La colère, c'est encore plus grave... Que la malédiction. D'accord La colère, c'est une, une punition encore plus grave et plus sévère que la malédiction. Car Allah, Azzawajal, il ne t'a pas seulement éloigné de, ta, de sa miséricorde, mais il a abattu sur toi sa colère. Taïb. Pareil, ce verset, euh, il rejoint le premier, dans le fait que. Ici, Allah a parlé des juifs et des chrétiens qui ont adoré et qui ont voué le culte à ce qu'on appelle At-Tarut, d'accord Et la, le lien entre ce verset et le chapitre n'est pas toujours clair, d'accord Car il s'adresse, ce verset et celui d'avant, s'adressent aux juifs et aux chrétiens et il ne s'adressaient pas aux musulmans. Mais on va, on, va, on va le comprendre par la suite, InshAllah. Allah جل, évoqua aussi dans ce verset qu'il a changé en porc et en singe certains, certaines créatures d'accord, qui avaient désobéi à Allah جل, parmi les juifs et les chrétiens. Ce qu'Allah a changé en singe, ce sont les juifs qui avaient désobéi à Allah concernant le samedi. Et le récit nous a été raconté dans Surat Al-Araf, la sourate numéro 7. Allah Azzawajal leur avait interdit de pêcher le poisson, les poissons durant le samedi. Mais ces derniers se sont adonnés à une ruse afin de s'accaparer des poissons ce jour-là. Car Allah Azzawajal en guise d'épreuve. Allah Azzawajal leur avait interdit de pêcher le samedi. Et il a fait en sorte que le jour du samedi. Les poissons venaient en masse au bord de l'eau, au point que les poissons étaient à la surface de l'eau et que toute personne qui mettrait sa main pourrait s'en emparer. Mais Allah Azzajal leur avait interdit de pêcher ce jour-là. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils jetaient le vendredi soir leur filet à l'eau, afin que les poissons, lorsqu'ils viennent le samedi, se bloquent dans les filets. Et ils récupéraient leur filet le dimanche. D'accord et ça, c'est une ruse. Et les ruses dans notre religion, les ruses afin de rendre une chose qui est interdite autorisée, ceci est strictement interdit. Ceci est strictement interdit dans notre religion. Taïb, lorsque ces derniers ont désobéi, Allah les a transformés en singes. Allah subhanahu wa les a transformés en singes. Et c'est d'eux dont il est question dans ce verset. Cette transformation, les savants, les savants ont divergé. Est-ce qu'il s'agit d'une transformation physique ou d'une transformation morale? Mais, la vie le plus authentique, c'est qu'Allah les a transformés d'une transformation physique. C'est-à-dire, qu'ils n'étaient plus, ils n'avaient plus de euh, forme humaine, mais qu'ils avaient une forme de singe. Et Allah Azzawajal est certes capable d'accomplir toute chose. Ensuite, ces, ces gens-là, Allah a fait en sorte qu'il n'ait qu pas de descendance. D'accord En gros, qu'il n'ait pas de descendance qui, par la suite, allait leur ressembler. D'accord Car c'était une punition qui leur était spécifique. Et de ce fait, Allah n'a pas fait que cette, cette, cette punition se transmette à leur génération après eux. Car Allah est le juste par excellence. Concernant ceux qu'Allah a changé en porc, il s'agit des chrétiens qui avaient, désobéi, qui avaient désobéi à Isa, à Jésus, lors de l'événement de la table servie, Al-Ma'ida. Allah, et Allah Ta'ala nous a raconté ce, ce, ce récit dans, dans, dans la surat Al-Ma'ida il a fait descendre une, une surat tout entière qui porte le nom de cet événement-là, Al-Ma'ida. Les apôtres de Jésus, alayhi salam, avaient demandé à ce noble prophète qu'Allah leur fasse descendre du ciel une table servie, c'est-à-dire une table avec des nourritures, des boissons, etc., en guise de miracle et en guise de subsistance, car ils voulaient manger de cette table-là et de ce qu'elle contenait. Allah, ta'ala, a répondu favorablement à l'invocation de Isa, mais il les a menacés. Il les a menacés en leur disant que celui qui désobéirait après cela, certes, il sera frappé d'un terrible châtiment et d'une terrible punition. Et certains parmi ceux qui étaient présents ont désobéi. C'est ainsi qu'Allah les a transformés en porcs. Taïb. Et Allah Ta'ala, Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-Baqara il me semble, oui dans surat al-Baqara, il a rappelé aux juifs cet événement-là. La transformation euh, dont a été touchés les gens du Shabbat, les gens du samedi qui ont désobéi durant ce jour-là. Allah ta'ala nous dit وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ Vous connaissez pourtant le sort subi par ceux des vôtres qui ont transgressé le samedi. Auquel nous avons dit, soyez transformés en singes abjects. Ça, subhanallah, on, ça, on ne se dit pas hein, mais comment c'est possible? Allah, il est capable de toute chose. Allah, azawajel, est capable de toute chose. Il est el qadir, hein, l'omniscient et l'omnipotent, celui qui est capable de toute chose. Lorsqu'Allah Ta'ala veut quelque chose, il n'a juste à dire, il n'a qu'à dire Kun fa'ya ainsi donc, ce n'est pas compliqué pour Allah que de transformer que ce qu'il veut en ce qu'il veut. D'accord Une personne, elle a, certes, elle est, elle est née en forme humaine, sous forme humaine, Allah Ta peut à tout moment la transformer sous n'importe quelle forme. Et certes, Allah Azzawajal, est capable de toute chose. Taib. Ensuite, Allah a dit dans le même verset, abadat parut. Et qui ont voué un culte au tarot. Et ça, on l'a vu, ça rejoint le verset d'avant. Euh... Ensuite, le Chir évoqua la parole d'Allah. Dans Surat al-Kahf, dans l'histoire des habitants de la caverne, une fois qu'ils sont morts, et euh, que leur peuple ont divergé quant à qu'est-ce qu'ils allaient faire d'eux. D'accord Allah Ta'ala nous a dit, mais ceux qui eurent le dernier mot affirmèrent, nous allons plutôt ériger à cet endroit un lieu de prière. D'accord C'est-à-dire que les gens de la caverne qui sont morts dans leur caverne, les gens ont divergé. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'eux Certains ont dit, nous devrions fermer la caverne et les laisser dedans, d'accord, comme ils sont, mais fermer et obstruer l'entrée le, le, euh, de la caverne. D'autres, qui avaient le pouvoir et qui étaient, il semble, parmi les gouverneurs et les dirigeants dans le peuple, ont, quant à eux, suggéré et ordonné qu'on y construise, qu'on construise sur le, lieu, dans, sur, le, sur le lieu de leur caverne, un lieu de prière. Afin que les gens viennent et adorent Allah Azzawajal à cet endroit-là. Et c'est ce qui a été fait, d'accord C'est ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu un lieu de, de, de prière et un lieu d'adoration qui a été érigé sur cette caverne-là. Et là, c'est pareil. Ce verset-là, pourquoi le Cheikh l'a cité ici, on va le comprendre avec le hadith qu'il a évoqué juste après. Euh, on comprend que les trois versets qui ont précédé, ce sont des versets dans lesquels Allah s'est adressé aux gens du livre. D'accord Il s'est adressé aux gens du livre. Toutefois, selon Abu Saïd anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous suivrez certes la voie de ceux qui vous ont précédé. De même que la plume poule est identique à sa paire, au point que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, vous y entreriez aussi. Ils dirent, ⁇ Oh messager d'Allah, s'agit-il des juifs et des chrétiens ?⁇ Il répondit, ⁇ Qui donc d'autre ?⁇ Ce hadith a été rapporté par al bukhari et Muslim. Et c'est de là que nous allons comprendre pourquoi le Shir a évoqué tous les textes précédents. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous a affirmé qu'une partie de la communauté allait suivre, allait suivre les gens qui les ont précédés. Qu'ils qu allaient les suivre dans tout ce qu'ils font. Aussi bien physiquement, aussi bien dans la pratique, aussi bien dans la pensée. D'une manière générale, ils allaient les suivre pas à pas. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imagé ce suivi aveugle en disant que si même ils entraient dans le, dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez aussi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, Et avant ça il a, il a dit aussi De même que la plume poule est identique à sa paire. Qu'est-ce que la plume poule Vous savez, lorsque vous avez une flèche, les, les flèches du tir à l'arc, vous avez à l'arrière de la flèche des plumes, d'accord, qui servent à, euh, à diriger la flèche. Et ces plumes là sont toutes identiques pour que la flèche puisse garder un équilibre parfait, ces plumes là sont toutes identiques, d'accord? Et là, le prophète alayhi wa sallam, a imagé le suivi d'une partie de la communauté, d'accord, qui suivront les Juifs et les chrétiens, d'une manière identique à ces plumes là qui sont identiques et qui sont vraiment pareilles. Et ensuite, il a dit au point que si vous en, ils entreraient dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez aussi. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi le lézard en particulier Ce qu'on appelle en arabe al-doub. Ah ouais, pardon, adab. Al C'est parce que le terrier du lézard, ce n'est pas un simple trou. C'est un trou qui comporte des virages. C'est un trou qui comporte des directions différentes. C'est-à-dire qu'il est difficile. Il est difficile de suivre euh, le lézard dans son terrier. D'accord Et de ce fait, et ça ça en fait ça si vous voulez ça souligne le suivi aveugle dont va faire preuve une partie de la communauté. Au point que si les juifs vont à droite, ils iront à droite. Si les gens du livre vont à gauche, ils iront à gauche. S'ils font quelque chose en particulier, ils feront la même chose exactement. Et ça subhanallah, c'est quelque chose que l'on voit de nos propres yeux aujourd'hui. Que ça soit dans, dans, dans l'apparence, d'accord Que ça soit dans les coutumes, que ça soit même dans les pratiques religieuses pour certains, voilà, à Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut rejeter. C'est une réalité que le prophète wa sallam, nous a. Euh, dont, nous, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part et qui se passe aujourd'hui l'on qu que l'on voit et que l'on observe de nos propres yeux. Un exemple clair. Et c'est encore plus. Visible pour ceux qui habitent dans des pays arabes, dans des pays musulmans, d'accord, qu'ils soient arabes ou pas. Vous voyez que certains vont, et malgré qu'ils se trouvent dans un pays musulman qui a ses propres coutumes et qui a ses propres mœurs, vous allez les trouver ressembler à des Occidentaux. Hein, vous allez les trouver se raser la barbe à blanc, laisser la, pousser la moustache. Or que ça, c'était quelque chose qui n'existait pas chez les Arabes. C'était quelque chose qui n'existait pas chez les Arabes. Vous allez les trouver porter des affaires d'Occidentaux. Or, en fait, il faut comprendre quelque chose. En France, c'est normal de voir euh, des gens porter plusieurs choses. Chacun porte ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais dans certains pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'une personne qui va porter une certaine tenue, il va, il va sortir, il va, si vous voulez, il va être euh, sous les feux des projecteurs car ils n'ont pas l'habitude de voir une personne habillée de la sorte. Un exemple simple. Un exemple simple. Aujourd'hui, dans certains pays, du Golfe par exemple, vous allez trouver certaines personnes porter des shorts extrêmement courts. Mais ça, il y a quelques années en, en arrière, c'était impensable. C'était impensable. Wallah, c'était impensable que de voir une personne porter un, 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 un short qui, qui, euh, qui remonte au-dessus des genoux. Ça, c'était, pour vous dire, même entrer comme ça dans un centre commercial, c'était interdit. Mais ça, c'est fini aujourd'hui, d'accord Tellement ça s'est répandu, c'est terminé aujourd'hui. Vous allez voir, vous croisez à n'importe quel coin de rue une personne avec un mini-short, une femme sans voile. Ça aussi, par exemple, dans certaines régions, euh, du, 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 dans des pays du Golfe, c'était impensable que de voir seulement une femme sans niqab. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal que de voir une femme dévoilée. Bah, mais, mais, pas, je ne parle pas seulement du niqab. Non, sans voile, complètement, cheveux à l'air. Ça c'est devenu quelque chose de normal, d'accord Et ça c'est quoi C'est l'un des, euh, c'est l'un des effets et l'une des conséquences du suivi de l'Occident, d'accord Du suivi des mœurs des gens qui ne sont pas comme nous, d'accord Ça c'est d'un point de vue euh, physique et d'apparence. Mais si on prend et qu il y a quelque chose qui est encore plus important, beaucoup plus important, le l'aspect dogmatique, vous allez trouver des gens qui ont accompli exactement les mêmes choses que les juifs et les chrétiens ont accompli. Comme par exemple, construire des lieux de prière sur les tombes, enterrer des morts dans les lieux de prière, par exemple dans les mosquées. Euh, et c'est pour ça que le cheikh a évoqué ces versets-là. Car ces versets-là, Allah ta nous a dit dedans, que les gens du livre, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont adoré Ta tarut ainsi donc, il y a des gens de cette communauté, de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, qui vont aussi adorer At-Tarut. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Lorsque vous voyez des gens se prosterner devant des soi-disant maîtres spirituels, les adorer, hein, les invoquer, eh ben, c'est exactement comme les juifs et les chrétiens ont accompli avant nous. Et c'est là que le shirk voulait en arriver. D'accord? Et nous demandons à Allah de nous guider sur le droit chemin, de nous préserver sur ce dernier jusqu'à ce que nous le rencontrions et qu'il soit satisfait de nous. Car la personne, elle ne doit pas se sentir à l'abri. Se dire, non, moi en tout cas, alhamdulillah, je prie. c'est vrai, tu pries, tu adores Allah exclusivement, mais il ne faut pas se dire que la, la personne, elle ne doit pas se dire qu'elle est à l'abri de l'égarement. Si l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salam, a, avait peur pour lui ainsi que sa descendance de tomber dans le polythéisme que dire de nous que dire de nous allah hein? »« oh, seigneur préserve moi écarte moi éloigne de moi ainsi que de ma descendance le fait d'adorer les idoles d'adorer les statues pardon ainsi donc la personne ne doit pas se sentir à l'abri wallah et elle doit demander sans cesse à Allah Azza de le préserver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses qu'il demandait le plus à Allah Azza c'était la préservation. Hein C'est pour ça que le prophète sallam nous dit dans un hadith salallahu al demandez à Allah la préservation. Ainsi donc la personne ne doit pas se sentir à l'abri et se dire que c'est impossible qu'il tombe dans un tel péché. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith de Muslim. Il dit Et chez Muslim, selon Thauban, radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit Allah m'a regroupé la terre et j'ai vu son Orient et son Occident. Et l'autorité de ma communauté atteindra certes ce qui m'a été montré de la terre. Deux trésors m'ont été donnés, le rouge et le blanc. Et j'ai dem demandé à Allah de ne pas faire périr ma communauté par une catastrophe générale. Et qu'il suscite. Et qu'ils ne suscitent pas contre eux, contre eux un ennemi en dehors d'eux en dehors d'eux-mêmes qui les anéantirait tous. Et mon Seigneur a dit Ô oh Muhammad, j'ai décrété un destin qui certes ne changera pas, et je t'ai accordé de ne pas détruire ta communauté pour une, par une catastrophe générale et de ne pas susciter contre eux un ennemi en dehors d'eux-mêmes qui les anéantirait. Mais si ce dernier même si ce dernier venait à les encercler de toutes parts. Jusqu'à ce que les uns tuent les autres et s'emprisonnent les uns les autres. Taïb. Ici, il y a plusieurs choses à euh, évoquer dans ce hadith. Premièrement, il y a un signe clair de la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa prophétie car il nous dit alayhi salatu wassalam, allah m'a regroupé la terre et j'ai vu son orient et son occident et lorsqu'on regarde à travers l'histoire l'autorité et l'empire des musulmans comment il s'est répandu on s'aperçoit que l'empire des musulmans et son autorité c'est toujours euh, c'est toujours diffusé d'est en ouest d'accord et non pas du nord et, et, et vers le nord et vers le sud mais il s'est toujours diffusé d'est en ouest Taib. ensuite le prophète alayhi wa sallam, a dit deux trésors m'ont été donnés, le rouge et le blanc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait référence à l'or et l'argent D'accord, le rouge c'est à dire l'or et euh, le blanc l'argent Allah ta'ala avait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de que sa communauté allait conquérir conquérir les terres de d'accord, qui, euh, qui est traduit en, en français par euh, Khosro et qui était le titre qui était donné au, au roi des Perses. Allah Ta'ala a promis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa communauté allait conquérir d'accord, les terres de Kisra et qu'ils allaient même s'emparer de ces trésors. Et c'est ce qui s'est passé. À l'époque de Umar, il y a eu la conquête, d'accord euh, il, il y a eu la conquête des, euh, de la Perse. Et, ah, et subhanallah, les musulmans, ce sont eux qui ont mis fin de manière totale à l'empire perse, d'accord qui était considéré à l'époque comme l'une des puissances majeures. D'accord À l'époque, il y avait les Romains et il y avait les Perses. C'était les deux puissance principale et les, les perses ont été euh, ont été décimés et par les musulmans qui ont mis fin à leur à leur à leur à leur empire concernant césar il y a eu plusieurs guerres qui se sont passées à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les byzantins les byzantins c'était les romains d'accord qui habitaient dans les terres orientales ils étaient appelés les byzantins en byzance il y a eu deux guerres majeures qui se sont passées. La première, c'était. Euh, pardon, il y avait El Tabouk, d'accord La guerre de Tabouk. Et euh, la deuxième m'échappe. Et après, mais ce, ce n'est pas durant ces guerres-là qu'il y a eu ce, euh, euh, cette, cette conquête. Ça, ça s'est passé après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Omar, radiallahu anhu, qui ont défini, euh, définitivement. Fait tomber l'empire euh, de, de, de Byzance euh, dans les pays du Cham, d'accord En Syrie, euh, en Palestine, etc. Et donc, ici, le trésor composé d'argent fait référence à celui de Kisra, d'accord aux Perse. Alors que celui d'or fait référence à celui de César. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plus que ça, il nous a rappelé, il nous a dit dans un. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira et authentifié par Al-Bukhari euh, et Muslim, par celui qui détient mon âme dans sa main, leurs trésors seront dépensés dans le sentier d'Allah. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé, euh, euh, passé réellement, comme je vous ai dit, à l'époque de Omar. Subhanallah. Et ça, subhanallah, ça nous souligne une chose qu'il faut souligner car c'est très important vous savez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ils ont vécu la révélation du coran et ils ont vécu ces prophéties c'est à dire que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur disait c est, c est, c est, ce genre de promesses là ils les ont vécues par la suite au point que il me semble c'était Jabir anhu il sait une fois qu'il était dans le, le château de Kisra, il s'est rappelé de ce hadith-là. Il s'est rappelé de ce hadith-là et, de, et, et des mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas seulement, nous, on n'a que les versions et on n'a que les, les informations qui nous parviennent. Mais eux, ils ont vécu. D'accord? Ils ont vécu ces choses-là. Comment donc pensez-vous que leur foi était? Wallah. Ils vivaient sur terre, mais leur cœur était accroché avec l'au-delà. Leur cœur était à, à, dans l'au-delà. Parce que, subhanallah, ils ont vécu les, 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 les textes. Nous, on les lit. Et il y a des informations passées que l'on ne peut pas vivre. Bien qu'il y a des informations futures qu'il est possible qu'on vive. Comme Ad-Dajjal, comme les signes de la fin des temps, etc. Mais eux, subhanallah, ils ont vécu ces signes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dit qu'ils allaient conquérir. Les, 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 les Romains, ainsi que les Perses. Mais c'était impensable à l'époque. C'était impensable à l'époque. Et ça, c'est subhanallah, se remettre dans le contexte historique, c'est extrêmement important afin de comprendre ces textes. C'était impensable que. C'est comme si aujourd'hui, je vous dis, un petit pays, un petit pays du, comme on dit, du tiers-monde, va s'en prendre à l'Union européenne et va te faire tomber, tomber l'Union européenne et va s'en prendre aux États-Unis et va faire tomber les États-Unis. Si tu dis à quel, ce, ceci à quelqu'un aujourd'hui, il va te dire, mais toi, tu es complètement fou. Tu es complètement fou. Comment un pays aussi faible pourrait faire tomber deux puissances euh, aussi, aussi grandes bah, À l'époque du prophète, quand il leur a annoncé ça, c'était pareil. Mais les compagnons, ils n'ont ils ont pas douté. Ils n'ont pas dit, non, mais non, c'est impossible. Il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il disait, c'était de la part d'Allah Et s'il l'avait dit, c'est que ça allait se passer comme il l'avait dit. Et ça s'est réellement passé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et ça, c'est une réalité historique que personne ne peut rejeter. Taïb. Subhanallah. <coughs> Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah de ne pas engloutir, décimer sa communauté par une catastrophe générale. Comme par exemple, une catastrophe que l'on dit naturelle, qui viendrait mettre fin, tuer tous les musulmans d'un coup, toute la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala a répondu à l'invocation du Prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui assurant que cela n'arrivera pas. Taïb. Ensuite, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aussi à Allah Azzawajal qu'il ne suscite pas contre eux un ennemi, d'accord, qui viendrait les anéantir tout entier. C'est-à-dire un ennemi étranger de la communauté, d'accord, qui viendrait décimer tous les musulmans d'un coup. Et ça aussi, Allah Ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a assuré que cela n'arrivera pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aussi, et ça on va le voir par la suite, que sa communauté ne soit pas, euh, on va le voir par la suite parce c'est dans le type. El Barkani. Ensuite, le évoqua la version d'El Barkani. Dit El Barkani l'a rapporté dans son Sahih et a ajouté, mais ceux que je crains pour ma communauté, ce sont les dirigeants égareurs Et si l'épée venait à se dresser entre eux, elle ne, elle, alors elle perdurera jusqu'au jour de la résurrection. L'heure ne, ne retentira pas. Tant qu'un groupe de ma communauté n'aura pas rejoint les polythéistes, en tant, et tant qu'un groupe de ma communauté n'aura pas adoré les idoles. Le prophète alayhi wa sallam, avait aussi demandé à Allah Azzawajal de ne pas susciter, d'accord, de ne pas susciter euh, les musulmans contre eux. C'est-à-dire que les musulmans en, s'entretuent entre eux. Mais ça, Allah Ta'ala ne l'a pas accordé au prophète sallallahu Et ceci par sagesse de sa part, d'accord Nous, on sait, en tant que musulmans, et ça, ça fait partie des fondements de la croyance des gens de la sunnah et du groupe, le fait que Allah Ta'ala, tout ce qu'il a légiféré, et que cette légifération soit d'ordre universel, d'accord Ou d'ordre religieux, tout ce qu'il a légiféré, ceci recèle et renferme des sagesses Indénombrable. D'accord Il n'y a pas une chose qui se passe dans ce bas monde. Et il n'y a pas une chose qui a lieu sans qu'il y ait derrière énormément de bienfaits et de sagesse. D'accord Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hakim, le sage par excellence, et celui qui juge avec excellence. Et parmi les attributs d'Allah, il y a Al-Hikmah, la sagesse. Allah, c'est le sage par excellence. Ainsi donc, tout ce qu'il légifère, n'est que sagesse. D'accord? Même si pour nous, on voit que c'est un mal. D'accord? Certains pourraient se dire, oh non, et ça c'est quelque chose que l'on entend énormément. Oh non, mais pourquoi si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres sur terre? Nous nous disons et nous affirmons qu'il y a des guerres sur terre par sagesse d'Allah Azzawajal. D'accord? Parmi les sagesse, le fait qu'Allah Azzawajal choisisse parmi les gens, d'accord, les musulmans qui meurent durant ces guerres-là, ils fassent d'eux des, des martyrs. D'accord? Et le rang de martyr auprès d'Allah est très élevé. D'accord? Parmi les sagesses aussi, il y a l'épreuve. D'accord? L'épreuve est le fait que le musulman, lorsqu'il est éprouvé, c'est un bien pour lui. Les, ses, ses péchés sont pardonnés. Il est purifié de ce qu'il a commis. Ses degrés au paradis ne font qu'augmenter, etc., etc. Il y a énormément de sagesse derrière les épreuves. Ça fait travailler la patience du croyant, etc., etc. Ainsi donc, ça, c'est une règle générale qu'il faut retenir. Il n'y a pas une chose qu'Allah a légiférée sans que cette dernière ne renferme énormément de sagesse. Même si les choses, dans l'apparent, dans ce qui peut nous sembler à nous être un mal, ces dernières renferment obligatoirement un bien. Car Allah n'a pas créé un mal qui est un mal de manière absolue, qui ne renferme aucun bien. Ça, ça n'existe pas. Allah n'a rien créé sans qu'il y ait un bien derrière. Même Iblis, hein, la création d'Iblis, la tête des tarots, la tête des, 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 de la mécréance, derrière sa création et derrière sa désobéissance, il y a un bien. Il n'y a pas un bien, il y en a énormément. D'accord Je vais je, je vous en citer qu'un. Afin que ça soit une épreuve pour les musulmans et qu'afin qu'Allah montre que malgré, malgré qu'Iblis passe son temps à essayer d'égarer les gens, et bien Allah Azzawajal guide les gens. Hein? Iblis t'appelle à la mécréance, mais Allah Azzawajal est plus fort qu'Iblis. Allah Azzawajal te guide malgré qu'Iblis lui t'appelle à la mécréance. Ça c'est l'une des sagesses parmi les sagesses qui font, en fait qui mettent en évidence des noms, plusieurs noms parmi les noms d'Allah Azzawajal, comme Al-Hakim, Al-Qawi, Al-Azim. El-Qadir, etc., etc. Euh, Concernant la version dal barkani elle a été jugée authentique, d'accord. Elle a été jugée authentique. Elle il a été euh, rapportée. Cette version a été rapportée par 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 d'autres, comme Ibn Abi dans son Moussan comme euh, Ahmed dans, ses, dans son Moussan ou encore Ibn Majah dans ses Sounen. Ce hadith, il faut qu'on s'arrête avec. Parce que le prophète alayhi wa sallam a dit dedans des choses très importantes. Euh, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam mais ce que je crains pour ma communauté, ce sont les dirigeants guerreurs Ça, c'est le premier point avec lequel il faut qu'on s'arrête. Ici, le mot qui a été en, 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 utilisé en arabe, c'est El imam. El imam en arabe, c'est toute personne qui a de l'influence et qui a des suiveurs. D'accord ainsi donc, ici, le terme dirigeant, il ne faut pas comprendre d'un point de vue euh, politique, c'est-à-dire les dirigeants des pays, etc. Non. Le terme est bien plus large. C'est toute personne qui a des suiveurs et qui a une influence, d'accord, qui est concernée par ce terme-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a donc eu peur pour nous des dirigeants égareurs. Que ces dirigeants soient d'un point de vue, po d'un aspect politique ou encore d'un aspect euh, ou d'un abord plutôt, d'un abord politique, d'un apport religieux comme les savants, etc., ou tout autre abord. À partir du, du moment où il y a une personne qui a des suiveurs et qui appelle à l'égarement, il, 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 il est pris en considération et englobé par ce hadith-là. Ainsi donc, une personne qui soi-disant est de science, hein, un enseignant, un savant, etc., et qui appelle à l'égarement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans ce hadith là. Et combien ils sont nombreux aujourd'hui qu'Allah nous en préserve. Combien sont nombreux aujourd'hui ceux qui prétendent prêcher la bonne parole or qu'en réalité ils ne font que prêcher et tirer les gens avec eux vers l'enfer. Une question qui s'impose, comment reconnaître ces derniers Tu les reconnaîtras de la manière suivante. À partir du moment où une personne t'appelle à suivre autre chose que le Coran, que la tradition prophétique, en se conformant à la, la, la compréhension des pieux prédécesseurs et à leur tête, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'une personne qui fait ceci, d'accord, qui t'appelle à autre que ceci, c'est une personne qui fait partie de ses dirigeants égareurs. Et combien ils sont nombreux aujourd'hui. Hein? Des gens qui, sans pudeur, vont venir rejeter les hadiths qui ont été acceptés par toute la communauté depuis la nuit des temps. Hein? Qui vont te dire, non, ce hadith-là, on ne l'accepte pas parce que notre raison ne l'accepte pas. Hein? Ou ceux qui vont te dire, non, nous, toute la tradition prophétique, on ne l'accepte pas. Hein? Vous, vous prenez la parole d'homme. Nous, on n'accepte que le Coran. Or qu'en agissant de la sorte, il se contredit lui-même. Il contredit les textes du Coran d'accord et il contredit la raison saine d'accord ou ceux qui vont suivre leur passion et appelé à des choses qui sont inconnues qui, qui, qui ont depuis toujours été inconnues ou qui ont été blâmées par les musulmans comme ceux qui vont prétendre que la femme musulmane il n'est ne pas obligatoire pour elle de se voiler non ça c'était avant aujourd'hui ce n'est plus obligatoire Qu'est-ce qui a changé entre avant et aujourd'hui Dis-moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé entre aujourd'hui et avant pour que tu te permettes de dire, pour que tu te permettes de dire que le voile n'est plus obligatoire Sur quelle base tu te, tu, sur, quel, sur quel texte tu te bases Sur quel fondement tu affirmes ces dernières Ou ceux qui vont te dire, par exemple. Ceux qui vont te dire par exemple, oh non, tourner autour des, statues, euh, tourner autour des tombes, hein, faire la prière sur des tombes, ce n'est pas interdit. Non, non, invoquer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas interdit. Taïb, d'où est-ce que tu sors D'où est-ce que tu sors une telle chose, une telle pratique Est-ce que dans le Coran, il t'a été autorisé d'agir de la sorte Est-ce que dans les hadiths, il t'a été autorisé d'agir de, de la sorte Est-ce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont invoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque Bien sûr que non. Sur quoi donc tu te bases Si ce n'est tes passions et ta raison erronée. Pareil, il y en a d'autres qui vont te dire, « Al-Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Taïb, tu vas lui dire simplement, sur quoi tu te bases Si c'est une bonne chose... N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait ainsi que ses compagnons Car ils étaient les gens les plus ardents à l'accomplissement du bien, mais ils ne l'ont pas accompli. Comment donc affirmes-tu que cette chose est une bonne chose D'accord Et sur cette base-là, vous pouvez repousser toutes ces, entre guillemets, ambiguïtés qui peuvent vous être présentées. D'accord et, et je vous ai dit, aujourd'hui, il y a énormément de gens, wallah, qui appellent à des choses qui étaient... Et qui sont toujours, qui ont toujours été rejetés par la communauté. Une personne aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple, qui vous dit aujourd'hui la musique c'est autorisé. Tu vas lui dire, mais attends, en disant cela, tu contredis la communauté tout entière. D'accord Depuis l'époque des, des compagnies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. D'accord Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a affirmé qu'il y a à la fin des temps il y aura des gens de sa communauté qui viendront rendre licite l'alcool la fornication euh, le port de, euh, de, de, de soi d'accord pour les hommes ainsi que les instruments de musique le hadith est authentique il n'y a personne parmi les, les montagnes dans la science du hadith d'accord qui a rejeté ce hadith là tout le monde s'accorde Quant à son unanimité, ils vont te prendre la parole, d'accord, d'une personne de science, par exemple, d'Ibn Hazm, qui a parlé concernant ce hadith-là, et qui a dit que non, ah non, il y est, ce hadith-là n'est pas authentique, et qui de ce fait a dit que les instruments de, de musique ne sont pas interdits, d'accord, bien qu'il ait mis des conditions, comme le fait qu'il ne il faut pas que la musique appelle à, à des choses blâmables, à des choses de, de perversité, etc. Car dans ce cas-là, c'est interdit, même chez lui. Ils vont te prendre cette parole-là. D'accord Ils vont effacer l'unanimité, l'unanimité de la communauté quant à l'interdiction de la musique. D'accord Ils vont te dire non, non, ah non, il y a un savant qui a autorisé. Mais ça, agir de la sorte, scientifiquement parlant, c'est rejeté. D'accord Tu ne peux pas venir remettre en question. L'unanimité. Vous savez ce que c'est l'unanimité Quand on dit l'unanimité, c'est que durant 14 siècles, d'accord, les savants qui ont parlé de, ces, de, de, de ce point-là se sont accordés à dire que c'est interdit. Mais il y a une personne qui est venue et, et aujourd'hui, les gens renversent la, la messe, elle a le point. Ils vont te dire non, 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 vous vous dites que c'est interdit, vous êtes des menteurs, il n'y a personne qui a dit ça et tous les savants disent que c'est autorisé. A'ouzoubillah, a'ouzoubillah. Wallah, ça, et Ça, 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 fait partie des gens, d'accord, des imams égareurs qui appellent à l'égarement, d'accord, de cette manière-là. C'est ça qu'il faut faire attention. Voilà. Et, et, et le pire aujourd'hui, et ça, c'est un vice supplémentaire, c'est que, et ça, subhanallah, c'est, c'est triste parce que ça arrive même de musulmans, d'accord? C'est, ça provient même de musulmans et des fois des proches qui font partie même par, par, parfois de ta famille qui vont te dire vous, vous êtes des gens, des wahhabistes, hein, comme ils disent, vous avez des grosses barbes, vous portez toujours l'habit d'il y a 14 siècles, hein, et vous nous interdisez ceci et cela, vous avez une, une, une vision de l'islam rigoriste et compagnie. Moi, ces gens-là, je leur dis la chose suivante. Premièrement, définis-moi qu'est-ce que le wahhabisme, parce que tu me, tu me colles une étiquette que moi-même, je, je ne porte pas. D'accord, moi je suis musulman. Moi, je suis musulman. Mes seules bases, sont le livre d'Allah, la tradition authentique du prophète, alayhi wa sallam, les textes venant des compagnons. Et je comprends les textes comme ces derniers les ont compris. Pourquoi Parce que ce sont ceux qui étaient les plus savants. Ce sont ceux qui avaient la foi la plus élevée. Ce sont ceux qui avaient le cœur, les cœurs les plus purs. Ce sont ceux qui étaient les plus éloignés du suivi des passions. Et, et avant tout cela, car Allah, dans le Coran, et le Prophète, dans sa tradition, m'a ordonné de suivre leur chemin. Ainsi donc, au oh toi qui prétends ceci et cela, définis-moi premièrement qu'est-ce que le wahhabisme. Parce que tu me colles une étiquette que je ne connais pas. Deuxièmement, il va te dire oui, le wahhabisme. S'il sait te répondre, il va te dire oui, c'est le fait de suivre. Muhammad ibn al-Wahhab. Cet homme-là qui a vécu au XIIe au siècle, d'accord, dans la péninsule arabique, et qui a appelé au renouveau de la foi en l'unicité d'Allah à une époque où le polythéisme avait refait surface, même dans la péninsule arabique. Hein? Les historiens qui ont parlé, ça je vous en avais parlé et j'avais évoqué leurs paroles dans le premier cours. Pardon, les historiens qui ont parlé de cette époque. Ont, ont, ont affirmé que cette époque-là ressemblait à l'époque de l'ignorance, à l'époque où Quraish adorait les statues. Donc maintenant, qu'est-ce que vous blâmez C'est quoi que vous blâmez Ou quelle est la chose que vous blâmez, euh, pour laquelle vous blâmez Mohammed ibn Abdelouha Qu'il a appelé au Tawhid, qu'il a appelé à la fois l'unicité d'Allah Azzawajal Je vais t'arrêter tout de suite. Si c'est ça que tu blâmes, sache que tu es en train de blâmer Allah Azzawajal lui-même. Car dans le Coran, Allah Ta'ala a appelé... À, uni, à, son uni, à, à la foi en son unicité. Le prophète n'a été envoyé que pour cette raison-là. D'accord Que pour cette raison-là. Ainsi donc, qu'est-ce que tu racontes Ah oui, non, il, il faisait, il, il, il rendait mécréants les musulmans, il faisait couler leur sang. Mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi on ne parle pas des mêmes hommes Pourquoi tu. Moi, l'histoire que je connais de ce dernier est différente de celle, de celle que tu racontes. Sur quoi tu te bases il y a eu énormément de mensonges qui ont été proférés contre le cheikh mohammed ibn al-Wahhab. et bien sûr et nous affirmons qu'il n'y a aucune créature qui est infaillible toute créature est exposée d'accord ou est propice à accomplir des fautes et ça sans l'ombre d'un doute et les compagnons du prophète wa eux-mêmes parmi eux il y avait certains qui ont fait des fautes ça il n'y a pas de souci à ce sujet-là mais lorsque tu veux être juste envers une personne il faut que tu rassembles toute sa vie, que tu regardes, est-ce qu est que dans sa vie il a fait plus de bien ou plus de mal Et selon ce résultat-là, tu pourras juger de manière juste et équitable. Mais de là à venir me dire, ah non, il a, il a, il a, dans sa vie il a fait que du mal, et tu, mais ça vous êtes des menteurs. Wallah, vous êtes des menteurs. Aujourd'hui, le, le renouveau, la revivification de la foi en l'unicité d'Allah, il en a été une des causes principales. Et ça, il n'y a pas une personne, d'accord, qui peut qui peut remettre en question cette réalité. Wallah, il, il faut arrêter d'être dans une exagération constante, de coller des étiquettes aux gens et de leur euh, parce qu'en fait aujourd'hui ça c'est devenu, si vous voulez, une discréditation. À partir du moment où une personne est accusée accusée de wahhabisme, ça y est, ça y est, est les gens ne l'écoutent plus. Pourquoi Parce que tout ce qu'il raconte, ça va avoir une euh, une, une, comment dire, il, en fait, dans, il a une compréhension erronée parce qu'il a cette étiquette-là. Moi, je vous le dis, moi, je, je suis musulman. Je, je suis le Coran ainsi que la tradition du prophète alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Le reste, moi, je ne veux pas d'étiquette. d'accord Le cher Mohammed Ibn Abd il a fait du bien. Qu'Allah le rétribue grandement pour le bien qu'il a accompli. Et qu'Allah lui pardonne ses erreurs, ainsi qu'à tous les autres savants musulmans et à tous les autres musulmans. Mais de la venir coller des étiquettes aux gens afin de les discréditer et de faire, et de faire tomber les gens, d'accord En fait, de faire tomber ceux qui les écoutent et de ne pas vouloir d'obstruer la voie entre la personne qu'ils euh, euh, qu accusent et les gens qui l'écoutent, ça c'est grave, ça, ça, ça fait partie des actions de Shaitan afin de détourner les gens de la vérité. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à toutes ces choses-là. Parce que, voilà, aujourd'hui, c'est euh, vicieux. Vous avez... Et en fait, ils ont les mêmes arguments que, que BFM TV. Ah, c'est un wahabiste, ah, c'est un fondamentaliste, ah, c'est un rigoriste, ah, je ne sais pas c'est un quoi. Et après, ça y est, vas-y, vas-y. Hop, euh, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Mais ça, Subhanallah, déjà, dedans, wallah, même éthiquement parlant, ce n'est pas quelque chose de, euh, de correct, wallah, que de mentir sur les gens comme ça. Moi, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je reçois énormément de commentaires euh, de ce genre-là. Ah, pourquoi vous étudiez Ah, pourquoi vous enseignez Kitab al Tawhid Vous êtes un wahhabiste. » Mais attends, il faut se calmer. Qu'est-ce qu que tu racontes Ouvre Kitab -Tawhid, sors Tawhid, -moi, sors-moi une parole seulement que le Chir a évoquée venant de lui-même. Bah voilà, vas-y. Voilà, le, 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 le livre, depuis le début, il n'y a que des versets il n'y a que des hadiths. Il n'y a que des paroles des pieux prédécesseurs. Pourquoi tu viens inventer alors des choses qui sont fausses? Et ça, ne croyez pas que c'est spécifique au Shir muhammad Abdel Wahab, Ils l'ont fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, hein, Quraysh. Ils mentaient sur le prophète wa sallam. Ils ont menti sur les compagnons. En as ont... on a toujours menti sur les imams de la communauté. D'accord? Sur les savants de la communauté, il y a eu toujours des mensonges qui ont été proférés contre eux afin d'obstruer la voie vers la vérité. Et parmi les exemples clairs et connus, il y a Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Combien les gens ont menti, ont menti à son sujet, à son époque non? Hein? À leur tête, hein? Ceux qui disent, euh, nous, on, on suit euh, Abu Hassan Al-Ash'aira. Combien ont été parmi eux ceux qui ont menti contre Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyya Et qui ont même incité le gouverneur à l'exécuter Walayyadhu Billah. A exécuté Sheikhul islam ibn Taymiyyah, Rahimallah. Pourquoi Parce qu'il était en contradiction avec eux. Et Sheikh Islam Rahimallah a toujours dit, tous ces gens-là, je leur pardonne. Tous ces gens-là, peu importe les choses qu'ils m'ont fait, je leur pardonne. Regarde la différence entre les deux. Ensuite, juge de qui est le plus proche de la Sunnah du Prophète sallallahu wa sallam, et fais ton propre avis. Ça, c'était une grande parenthèse. On continue. Euh, On finit rapidement le, le chapitre. Euh, le prophète, dans le hadith, nous dit Et si l'épée venait à se dresser entre eux, alors elle perdurera jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que si les, les querelles et les conflits venaient à voir le jour dans la communauté du prophète entre les musulmans, alors ces, ces conflits-là perdureront jusqu'au jour du jugement. Et cette chose-là, cette, chose cette période-là a commencé avec l'assassinat. Du noble compagnon Uthman radiallahu anhu. Lorsqu'il a été euh, tué, d'accord, assassiné par des hypocrites et par des, euh, des gens qui étaient ennemis de l'islam, ici, à partir de là, les troubles ont commencé dans la communauté et l'effusion de sang a vu le jour. Taïb. Taïb. Et le prophète, et ça, ce sont les deux phrases témoins qui sont en rapport avec notre, notre chapitre. Il dit Et l'heure ne, ne retentira pas tant qu'un groupe de ma communauté n'aura pas rejoint les polythéistes. d'accord. ici, euh, ce ralliement, il, il peut s'agir aussi bien d'un ralliement physique que d'un ralliement dogmatique. c'est-à-dire qu'ils s'allieront aux polythéistes en, de la, en, en agissant, pardon, de la même sorte que dans euh, leurs pratiques dogmatiques, d'accord, adorer les morts, invoquer les morts, invoquer les statues, adorer les statues, etc. Et ça, je vous ai dit, ce sont des choses qui aujourd'hui se passent. D'accord Et euh, ça, c'est quelque chose de réel. D'accord Ça, c'est un des signes de la fin des temps. Le prophète Sassalem l'a évoqué et il s'est passé et il se passe tous les jours. D'accord Je vous ai évoqué la semaine dernière ce qu'il y a en Égypte. Hein? Il y a plus de 1000 mausolées qui sont pris pour lieu de culte juste au Caire. D'accord En Égypte entière, il y en a plus de 6000. Il y en a plus de 6000. Ça, c'est quelque chose d'énorme. Et il y a l'Égypte et plein d'autres pays qui sont pareils. Pareil. Ensuite, le prophète nous a dit aussi Et l'heure ne retentira pas tant qu'un groupe de ma communauté n'aura pas adoré les idoles. Et ça, ça vient rejoindre ce qu'on a dit juste avant. Parmi les hadiths aussi qui, qui mettent en lumière cette réalité-là, le fait qu'une partie de la communauté musulmane va adorer les statues il y a les deux hadiths suivants. Abu Huraira radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne retentira pas tant que les femmes de Daous n'auront pas secoué leurs hanches autour de Zul Khalasa. » Zul Khalasa, c'était une idole qu'adorait la tribu de Daous. La tribu de Daous, c'est une, tri une tribu qui était originaire de la péninsule arabique. Ici, le prophète alayhi wa sallam, nous a dit que cette tribu-là, l'heure ne retentira pas tant que les femmes de la tribu de Daos ne se déhancheront pas en tournant autour de cette statue-là. D'accord Ça, c'est une réalité qui va avoir lieu. Et le hadith, a été rapporté par al bukhari et Muslim. Et le hadith de Aisha, anha, dans lequel le prophète alayhi wa sallam, a dit, le jour et la nuit ne s'arrêteront pas jusqu'à ce qu'elle l'ait et elle ne soient pas adorés. Le hadith a été rapporté par Muslim. Le jour et la nuit ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que lat et Al-Uzza ne soient pas adorés. Ainsi donc, ces deux divinités qui étaient adorées par Quraish à l'époque vont revoir le jour. Il y a une partie de cette communauté qui va se remettre à les adorer. Et ça, wallah, ça doit nous faire peur. Ça, ça doit nous faire peur. Parce que ce sont des réalités qui vont se passer inévitablement. L'adoration des statues Lat elle Uzza, vous savez de qui on parle, et elle Uzza, ces statues qui étaient divinisées et qui étaient vénérées par Quraysh, il y a 14 siècles, elles vont revoir le jour. Et l'heure ne retentira pas tant que ces deux dernières ne seront pas adorées à nouveau. Ainsi donc wallah, il faut faire attention. Et ça quand on se dit quand on veut en fait Mettre en relation ces textes-là avec la réalité, tu te dis, mais comment ça peut se passer? Comment? Comment deux divinités vont être adorées alors qu'elles qu elles, elles, elles ont disparu? Eh ben, sache que l'une des plus grandes causes de cette apparition-là, c'est l'ignorance qui va voir le jour. Et la disparition de la science. Et ça, le prophète alayhi wa sallam, nous a rappelé aussi que c'est un signe de la fin des temps. D'accord La disparition de la science et l'installation profonde de l'ignorance. Au point que les gens ne, ne connaîtront plus la foi en l'unicité d'Allah. Et tous ces textes-là viennent nous rappeler l'extrême importance de l'étude et de l'apprentissage de livres tels que celui-ci. De livres parlant du dogme, et plus précisément de la foi en l'unicité d'Allah et de son opposé, le polythéisme. Ça, Wallah, ne vous dites jamais que le temps que vous passez là, que le temps que l'on passe là, c'est du temps perdu. Parce que ça, c'est une réalité qui va voir le jour coûte que coûte. C'est inévitable. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si j'arrive à cette période-là, je vais faire partie de ces, de ces idolâtres qui vont adorer al -Lat et Al-Uzza, ou est-ce que je serai par la permission d'Allah Azza ferme sur l'adoration de mon Seigneur loin du polythéisme? Qu'Allah Azza nous préserve du polythéisme et qu'il nous accorde une bonne fin. Euh, ensuite, le Prophète sallallahu alayhi wa dans le même hadith, euh, il dit, il y aura certes 30 grands menteurs dans ma communauté. Ils, ils prétendront tous, pardon, être des prophètes, alors que je suis le sceau des prophètes. Nul prophète après moi. Une partie de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, secouru, et l'abandon des lâches ne leur causera aucun tort, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah advienne. Ici, le prophète alayhi wa sallam, nous a rappelé une autre réalité. Le fait que sa communauté, où il, dans, il y a dans sa communauté, 30 grands menteurs qui vont, qui vont apparaître. Tous vont prétendre la prophétie ils vont tous prétendre être, être des prophètes or que nous savons et ça ça fait partie de la foi du croyant que le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et nul prophète après lui ainsi donc toute personne qui prétendrait être un prophète après mohammed est un menteur et il sera jugé de mécréant se prétendre être prophète, c'est de la mécréance. Pourquoi Parce que c'est un démenti du Coran. Car Allah, Azzawajal, dans le Coran, a dit <muchemadun> min rijalikum <nabiyin> hein? Le messager, Muhammad, n'est le père d'aucun de vos hommes. D'accord De vos hommes, c'est-à-dire de vos grands hommes. De, de, des, des hommes, des, des hommes masculins. Des êtres masculins qui sont grands. Le prophète a eu des enfants, mais ils sont tous morts en bas âge. Walakir Rasulallah, mais c'est certes le messager d'Allah, Wa Khatam et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. ainsi donc, nul prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui prétend ceci a contredit le Coran. Et celui qui, qui contredit le Coran a certes mécru. Ibn Hajar, Rahimahullah ta'ala, a dit. Concernant cette parole-là, cela s'est confirmé à l'époque du prophète. En effet, Moussaïlim al-Kadzab, Musaylima le menteur est apparu à l'Yamama. Al-Aswad al-Anasi est apparu au Yémen. Ensuite, durant le califat d'Abu Bakr, Allahu anhu, Puleyha ibn al-Khuwaylid est apparu chez Bani Asad ibn Khuzayma. Et Sadjahi al-Tamimiyya est apparu chez Bani Tamim. Jusqu'à ce qu'ils disent. Euh, ici il nous a évoqué plusieurs personnes qui sont apparues et qui ont tous prétendu la prophétie d'accord et ça ça s'est passé depuis ça a commencé depuis bien longtemps à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam il y avait un homme connu sous le nom de musaylim al-kadhdhab hein Musaylima, le menteur le grand menteur qui est apparu à lui-même et qui a prétendu être un prophète et il et subhanallah il a prétendu à que Gabriel alayhi salam lui révéler des versets, etc. Et euh, il racontait, enfin les, les soi-disant la soi-disante révélation qu'il avait était euh, à faire euh, rigoler les plus petits euh, d'entre nous, d'accord. Et, et les versets qu'il racontait c'était du n'importe quoi et qui n'avait aucun sens, d'accord. Et euh, il a été combattu à l'époque de, euh, il n'a pas été combattu à l'époque du prophète, salam, mais il a été combattu à l'époque de abou Bakr ou de omar, plutôt, il me semble. Et il a été exécuté. Ici, il faut souligner une chose. Les, euh, les 30 grands menteurs dont il est question, ce n'est pas toute personne qui prétend à la prophétie, car il y en a beaucoup plus que 30. Mais ce sont ceux qui ont eu une réelle influence. C'est-à-dire que, par exemple, Moussaïl Imalkedzeb, il avait des suiveurs. Il, a même, euh, il était influent et il a même composé une armée. Il avait, d'accord, une, euh, une influence. Et c'est de ce genre qu'il est question. Ceux, les menteurs qui ont les menteurs prétendant la prophétie qui ont eu des suiveurs et une influence. Tahib. Ici, une question que l'on peut se poser, c'est ici le prophète alayhi wa sallam, a dit nul prophète après moi. D'accord Toutefois, il y a d'autres textes authentiques qui nous ont affirmé qu'à la fin des temps, Isa salam, Jésus allait redescendre. D'accord Et on sait tous que Jésus alayhi c'est un prophète. Comment donc rassembler entre ces deux textes-là La réponse c'est que la prophétie de Jésus salam, a précédé celle du prophète Mohammed alayhi wa Et ce dont il est question ici, c'est une prophétie qui euh, d'origine, c'est-à-dire qui viendrait après le prophète sallam. Et en gros, en tant que nouveau prophète. Alors que Risa, lorsqu'il va redescendre, il ne va pas redescendre avec une nouvelle législation ou en tant que nouveau prophète. Non, lui, c'était un ancien prophète. Et c'est pour ça qu'il va descendre en tant que membre de la communauté du prophète. Salallahu alayhi wa sallam. Et c'est même pour cela qu'il va juger selon la législation du prophète Mohammed. Salallahu alayhi wa sallam. Et il ne va pas juger selon l'évangile. D'accord Ceci prouve que il ne va pas descendre en, euh, en tant que nouveau prophète, mais en tant que prophète qui a précédé, d'accord Et qui fait à présent partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça euh, que certains savants ont même affirmé que Isa alayhi salam faisait partie ou fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord Et si vous vous en rappelez, pour ceux qui étaient là, durant l'explication du poème Al-Lamiya, je vous avais donné la définition du compagnon. Et je vous avais dit que c'était celui qui a vu, qui a rencontré le prophète, wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance. Et lorsqu'on prend ces conditions-là, eh ben, ils s'appliquent tous à Isa, à Jésus. Car en réalité, car en effet, il a rencontré le prophète, wa sallam, durant le voyage nocturne, d'accord Et durant euh, la prière à Beit el maqdis à Jérusalem. Le prophète wa sallam, a prié en tant qu'imam, d'accord Et derrière lui, il y avait tous les prophètes, parmi eux Jésus. Et le prophète l'a aussi rencontré durant le voyage nocturne dans les cieux, dans, durant l'ascension, pardon. Et Isa alayhi salam, bien sûr qu'il croyait au prophète Mohammed alayhi wa sallam, car tous tous les prophètes ont été euh, ou Isa alayhi salam, il avait la euh, euh, Allah azza lui avait dit qu'il allait envoyer un prophète qui s'appelle Ahmed. D'accord, le prophète Mohammed sallam et tous ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier, Isa salam, va mourir sur cette croyance là. D'accord Il va mourir après qu'Allah Azza va le faire descendre, après qu'il va se battre et qu'il va euh, tuer le messie de le faux messie. Après cela, euh, la mort lui viendra. Allah azzajal, le fera mourir comme il fait mourir n'importe quel être humain. Et il va mourir sur cette croyance là. Donc, toutes les conditions pour affirmer que c'est un compagnon, sont réunis. Oui. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Une partie de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Secouru et l'abandon des lâches ne leur causera aucun tort. » Ça, ça nous rappelle le hadith de Thauban, qu'on avait évoqué auparavant et qui a été rapporté par Mousseline. Euh ainsi donc, ici le prophète nous fait la bonne annonce qu'il y a une partie de sa communauté qui, malgré tous les troubles qui vont apparaître, malgré toute l'ignorance que la Terre va connaître, malgré toutes les grandes épreuves que la, les musulmans vont traverser, eh ben, il y a une partie de la communauté du prophète qui ne cessera d'être sur le droit chemin, qui ne cessera d'être secouru de la part d'Allah, et que même la trahison des lâches et leur abandon ne pourraient... Euh, ne pourraient ne pourrait, euh, obstruer et ne pourraient causer du tort. D'accord Ces derniers seront guidés seront guidés jusqu'à la fin des temps sur le droit chemin. Oui. Concernant ce groupe, qui est ce groupe Les savants ont évoqué énormément de paroles à ce sujet-là. D'accord euh, Par exemple, Yazid ibn Haroun a dit S'ils ne correspondent pas aux gens du Hadith, alors, je ne sais pas qui ils sont. L'imam Ahmed Rahim Allah a tenu les mêmes propos. Ali ibn abil Madine, et là, là, les noms que je vais vous dire. Peut-être que pour certains, ils ne savent pas de qui il s'agit. Mais là, les noms que je vais vous évoquer, il s'agit de montagnes de science. Vous savez, il y a le Mont Blanc, il y a les montagnes, et il y a l'Himalaya et l'Everest. Ben là, les noms que je vais vous évoquer, sont-elles l'Himalaya et l'Everest Ce sont des montagnes, aussi bien dans la science que dans la pratique religieuse, que dans l'adoration d'Allah, etc. Qu'Allah leur accorde sa miséricorde à tous. Ali ibn Abil madini, madini c'est qui C'était l'un des chouyoukhs, l'un des, des, des maîtres de Bukhari, rahimahullah. Il dit il s'agit des gens du hadith. Al-Bukhari lui-même, rahimahullah, a dit il s'agit des savants. Al-Qadi Iyad Il a voulu désigner les gens de la Sunnah et du groupe et ceux qui partagent la croyance des gens du Hadith. Al-Nawawi dit quant à lui Il est probable que ce groupe sauvé soit disséminé entre plusieurs catégories parmi les croyants les braves combattants, les juristes consultes, les savants du Hadith, les ascètes, ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, et parmi eux aussi des catégories de gens faisant le bien. Et il n'est pas nécessaire qu'ils soient regroupés dans une seule catégorie. Au contraire, il se peut qu'ils soient éparpillés aux quatre, aux quatre coins du monde. Ainsi donc, ce qui les rassemble, c'est le dogme. Ce qui les rassemble, c'est le dogme. Leur attachement au livre d'Allah et à la tradition du prophète, alayhi wa sallam, comme, les premières, comme les premières générations les ont compris. Et ça... On se rappelle du hadith hadith al-iftiraq d'accord qui a été rapporté par Tirmidhi et d'autres et jugé bon par ce dernier Il nous a rappelé le prophète alayhi wa sallam nous a dit dans ce hadith que sa communauté allait se diviser en 73 groupes tous iront au feu à part un les compagnons demandèrent de qui qui est ce groupe de qui il s'agit alors le prophète alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il leur a répondu il leur a dit ceux qui sont ou ceux qui agissent de la même manière que moi ainsi que mes compagnons. D'accord Ceux qui agissent de la même manière que moi et de mes compagnons. Ainsi donc c'est ça le critère. C'est l'attachement et la conformité au texte religieux. Selon la compréhension des pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le, le prophète sallallahu wa sallam, euh, a conclu le hadith en disant, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah advienne, c'est-à-dire son décret et son jugement. Et ceci soit par la venue de l'heure, ou soit par le souffle du vent qui emportera toutes les âmes croyantes. D'accord Et ça, c'est ce qui paraît le plus plausible. D'accord Le fait que, euh, les, les, parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que l'heure ne, ne se lèvera. Que sur les pires des gens. Et à cette époque-là, il n'y aura plus de croyants. Ainsi donc, on comprend ce hadith-là, le, 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 cette phrase-là, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah advienne par l'envoi de ce vent. Lorsqu'Allah enverra ce vent et qu'il emportera toutes les âmes croyantes et qu'il restera sur la terre que les pires des gens. C'est sur ces derniers que l'heure euh, retentira. Ainsi donc, tous les textes que l'on a vus précédemment, viennent nous affirmer que une partie de cette communauté va tomber dans le polythéisme et ceci de manière inévitable d'accord de ceci de manière inévitable une partie va agir de la même manière que les juifs et les chrétiens ont agi en adorant les morts en adorant les saints soi-disant en adorant leurs prophètes etc c'est là que le chier voulait en arriver tout cela pourquoi parce qu'aujourd'hui il y a une catégorie qui se dit musulmane et qui s'appelle El quburiyoun d'accord? Les adeptes des tombes et des cimetières. Ces derniers vont prétendre que ce qu'ils font, les agissements qu'ils font, comme tourner autour des tombes, invoquer les morts, prier sur les tombes, etc., tout cela, ce n'est pas du polythéisme, d'accord? Parce que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est, euh, est protégée et préservée Quant au fait de tomber dans des actes de politisme. Mais ceci est contraire au texte, comme on vient de le voir. D'accord Comme on vient de le voir. Taïb, on a fini le chapitre, Alhamdulillah. Euh, la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera du sihr. D'accord On commencera avec le chapitre intitulé La, sor la sorcellerie. Euh, D'accord Ainsi donc, je vous, je vous incite à être présent, Inch'Allah. S'il y a quelqu'un qui a une question sur ce qui a précédé, il peut la poser. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Taïb. Salam salam. On m'a donné des talismans soi-disant pour protection, mais par la grâce d'Allah j'ai su que c'était du shirk. Du coup, comment m'en débarrasser, comment me débarrasser de ces talismans Je n'ai aucun savoir. Euh, si la personne est là toujours, ça je vous l'avais évoqué auparavant. Euh, il suffit de premièrement prendre ces talismans, les ouvrir, d'accord. Et le mieux c'est de porter des gants parce que parfois. Euh, les sorciers, etc., utilisent des, des excréments, du sang, etc. Ensuite, c'est de lire sur ces, euh, sur les papiers que tu vas trouver. Tu peux aussi prendre de l'eau sur laquelle tu vas lire du Coran Ensuite, tu vas tremper ces papiers dedans afin d'effacer l'encre, d'accord Afin d'effacer l'encre. Une fois que l'encre est effacée, tu prends cette eau-là, bah, tu enlèves la feuille. Tu prends cette eau-là, tu la jettes dans les toilettes, tu la, tu t'en débarrasses dans l'évier, etc. Puis, tu vas laisser sécher ces feuilles-là et tu vas les faire brûler. D'accord Tu vas les faire brûler. Si, il y a, si tu t'aperçois qu'il y a des ficelles avec des nœuds qui sont noués, tu vas essayer de défaire ces nœuds. Si tu n'arrives pas, tu vas prendre un ciseau, couper ces nœuds-là. D'accord Tout ça en lisant le Coran, euh, Al-Fatiha, bi rabbil bi -rabbi -allahu -ahad, Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, etc. Tu vas euh, défaire ces nœuds-là et ensuite tu vas les brûler, d'accord Et c'est et par la grâce d'Allah et sa permission, ensuite, euh, les, si on t'avait fait de la sorcellerie, etc. Eh et ben cette dernière sera euh, annulée et rendue caduque, inshaAllah. Ta طيب اذا على الاسبوع الجاي ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته